ce doux moment qu'elle tient son fils, son amant, l'unique objet de cette tendresse. C'est pour lors que son sacré cœur tressaille d'aise en Jésus son sauveur. Son Saint-Cœur est un incendie, un brasier, un buisson ardent, dont Dieu seul, vrai Dieu consumant, elle entretient l'âme et la vie. Il brûle sans se consumer, car il ne peut jamais assez aimer. L'amour semble en ce grand mystère de leur cœur n'en faire rien qu'un. Entre deux, tout devient commun, car le Fils est tout dans sa mère. Dans la mer, on aperçoit plus que son cher Fils, que son amour Jésus. C'est alors que par sa prière, elle obtient de notre Seigneur le pardon aux pauvres pécheurs. Il est son Fils, elle est sa mère, son Saint-Cœur et son chaste saint lui font tomber les armes de la main. Ô chrétien, la Vierge fidèle nous donne ses communions de très saintes dispositions. Imitons ce parfait modèle pour rendre très parfait Saint Sacrement. C'est de vous, ô Vierge Marie, que nous vient ce
corps et ce sang qui nous met dans un si haut rang que l'ange même nous l'envie. Vous soyez bénite en tout lieu pour nous avoir fait ce don merveilleux. Répandez, ô Mère admirable, dans nos cœurs toutes vos vertus, afin que le très doux Jésus y fasse un séjour agréable. Cher Fils, par vous. Ô Jésus, votre Sainte Mère, est notre parfait supplément. Venez donc en nous promptement pour nous unir à votre Père, ou plutôt venez dans son cœur qui supplera notre peur.